il y aura pas de temps pour manger. Ouais, là, il voilà. Donc on est parti pour un match Léon contre Fire, donc Bowser Lucina. Et tout de suite ça prend Battlefield, une map qui est pas vraiment à l'avantage de Bowser et plus à l'avantage de Lucina. Et tout de suite Fire qui tente des hubs auto shield et Léon qui trouve l'avantage. Donc Fire qui combo break avec le side B frame 6. Une commande grave, donc c'est vraiment intéressant. Et pour le moment une game assez even et assez explosive. Ah, tout de suite le back air qui trouvait de la part de Fire juste en whiff du B neutre de Léon. Et Léon qui va abuser de ses B auto shield vu que les coups de Bowser sont assez light. Léon qui trouve bien l'edge guard et Bowser qui revient pas. Et qui est du guard quand même. Bon. Un léger avantage pour Fire tout de même pour le moment, mais Léon qui abuse du désavantage de Bowser. Et oui, qui est à nouveau et qui vient le chercher ultra loin. Est-ce que Bowser revient? Oui, il revient. Léon qui a essayé de prendre le ledge trap avec son B neutre. Non, on n'est pas sur Smash 4, il n'y a pas de ding-dong avec Bowser. Pas pour ça en tout cas. Pour le moment, Léon qui n'arrive pas à... Oui, le bon counter et le tech qui est encore meilleur. Je suis rejoint de Disco Dog. Salut à tous. Et donc là, on est sur une crêpe. Sur une game Léon Fire. Ouais, sur une game 1. Ouais. Ouais. Ah, bon bah voilà. Directement Tarmo qui s'en va et Jazz qui arrive. J'arrive en plein milieu d'un set, c'est terrible. Ah, moi aussi, t'inquiète pas, y'a pas de soucis. Alors que. Ok, d'accord. Alors que Léon va prendre cette deuxième stock sur Fire. Malgré tout, quand même, il reste à 1%. Donc, Ouais, un lead plus ou moins inattendu. Ouais, pour l'instant, de la part de Fire. Et qu'est-ce que tu penses de ce match-up? Je pense en général, en fait, les match-up avec Lucina ils sont difficiles pour l'adversaire de Lucina. Donc, Ouais. D'accord, on peut voir ça comme mais, ça. Là, déjà, on peut voir une bonne dominance de Léon sur le ledge, encore une fois. Léon qui est très connu pour son edge guarding. Et voilà, ça paye la encore stock une fois. C'est évaporé. Ouais, c'était. Je suis quasiment sûr que c'était un 0 to death complètement dominé. Alors, j'ai pas vu le début de la stock. Mais je pense oui, parce que j'ai pas vu les pourcentages bouger. Ah, ça, mais en fait, tout s'est joué sur le ledge. Il y a eu edge guard sur edge guard, sur ledge trap. Oui, mais. Y'a pas assez de câbles! Ah, mais bon. Ah, ouais, ça switch sur Rafael Inferno d'un coup, du coup. Ouais, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc, Rafael Inferno, Lucina. Bon, là, on va pas se mentir. Hein. Je pense qu'en termes de match-up, c'est plutôt une destruction de la part de Lucina. Après comment il va jouer le match-up. Parce que là, peut-être qu'il y aura un peu moins de zoning et plus de je te rentre dedans avec le mind game. Et puis, on connaît. Enfin, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Fire qui joue des personnages qui sont supposés être pas très bons. Ouais, c'est ça. Et qui détruit quand même la plupart du temps ses adversaires. Donc. Maintenant, voilà, le gros défaut, ça va être là. On va voir, étant donné que, encore une fois, Léon est très connu pour son edge guarding.
Et Féline est connu pour sa mauvaise recovery. Ça va être. Fire va passer un très mauvais temps offstage. Et va falloir jouer une neutrale vraiment. Oh là là, incroyable! C'était une Smash 4, ça. Clairement, c'était le coup qui met en tech situation sur le mur. C'est, je crois que je savais absolument pas que tu pouvais faire ça sur Ultimate. Ouais, non, je pense que c'est là. Là, pareil, comme la game précédente, t'as early lead directement. Donc. Ouais, ça tue pas! C'est une touche qui est bien normalement, okay. Mais bon, Léon était en sécurité en fait. Il était pas en shield, si c'était en shield, ça aurait été plus safe. Ouais. C'est le problème dans ce genre de match-up, c'est qu'au final on pense qu'il est très mauvais, mais c'est des persos qui sont tellement peu joués qu'on s'attend vraiment pas à beaucoup d'options qu'on va voir. Ah. Après, la manière qu'a joué. Enfin. La manière qu'a Fire de jouer en fait en général, il joue beaucoup le neutral justement. Oui. Donc en soi le personnage, tant qu'il a des bons outils de neutral, comme le down tilt justement ou des choses comme ça, ça devrait passer. Mais là, encore une fois, je suis pas sûr qu'il va Rico. Ouais, non. C'est dommage. Ouais. Un peu trop bas. Ça, mais là on voit justement le gros défaut dans ce match-up, forcément, surtout contre un Léon qui est bien énervé. Qui va te mettre 14 back air offstage s'il faut. Nice l'armure. Hein. Heureusement qu'il y a de l'armure sur ce move. Et là, encore une fois, on a de nouveau un Léon sur le bord. Ah, le petit Saibé qui va passer, qui va envoyer de l'autre côté. Ah, double spot dodge. Complexe comme match, hein, quand même. C'est quand même pas. Il a pas l'air de. Oh là là. Le double jump backer. Encore une fois, pas stock. Ouais, pas beaucoup d'options pour Féline pour recover là. Ah non, et d'ailleurs, c'est complexe à commenter, je trouve, parce que. Je vois pas trop les options que Félinferno peut faire dans le match-up, je vois pas trop. Ouais, ça, mais en fait, c'est plus Fire qui doit réussir à trouver une ouverture et une phase en général, ou sinon, bah forcément, il va se prendre simplement des aérioles en fait, juste des fers et des nerfs, ça va suffire à. Oui, voilà quoi. Ah, c'est le principe de Lucina un peu. Ouais, c'est ça. C'est du poke, du grattage, du spacing, y a pas forcément de gros combos, y a pas forcément de. Alors que ça switch encore une fois de perso hein, pour Fire. Ah bah. Dans cette game 3, il va Pokémon Trainer. Sortir probablement Dracaufeu, je suppose. Ouais, enfin, de base, il essaie quand même de jouer un peu les 3, mais c'est sûr que. Ah non, oui, d'accord. Ouais. Ouais, il a pas l'habitude là sur Ultimate de rester que sur Dracaufeu, donc. On a quand même. Un changement de tiers dans la tier list. Ouais, là, clairement. Bon, avant, on avait eu Bowser, c'était pas si mauvais non plus. Oui, non, mais là, on passe sur un match-up déjà tout de suite beaucoup plus faisable. Hein. Ça, maintenant à voir parce que Léon forcément avec tout ce qui est griffith pardon etc il va bien connaître le match-up surtout car ouais. C'est donc ok ouais, encore une fois les gardes une se complètement évaporé là, comme on peut voir justement là Léon qui connaît vraiment bien les options justement de Pokémon Trainer pour recover et qui va bien les exploiter maintenant là on se retrouve sur Dracaufeu évidemment c'est le personnage c'est la base de Fire c'est il était connu pour ça sur Smash 4 ouais. Pour son fameux Dracaufeu. Ah, bonne phase neutrale, bonne ride de. Et c'est. Je pense que. Là, on voit Fire qui. Perd un peu patience, hein, sans mentir. Ouais, mais en même temps, il doit être un petit peu perdu avec un Léon qui reste toujours solide dans le neutral, comme ça. C'est ça. Bah, c'est le problème, c'est quand on affronte des joueurs qui ont des fondamentaux aussi bons que Léon. Ça devient complexe, on est effrayé dans le neutral, on a peur, on fait moins un temps, on essaie de faire trop attention. Et au final on se prend des options qui sont plus simples alors qu'on va chercher trop loin dans ce genre de match. Alors que là le CB va presque prendre la stock, ça va sûrement switch, ouais voilà. Léon, j'ai cru d'en air. Ouais. Léon qui s'y attendait hein, mais qui est légèrement mal space son backer. Ça tue. Ouais. Spot bien sûr le out of shield de Dracaufeu, un des meilleurs du jeu. En tout cas, en termes de damage base, de rentabilité. Enfin, l'up smash en vrai est une meilleure option. Oui, mais bon. Là, l'upper qui va. Il y a l'armure. C'est ça. Il y a l'armure dans le bureau. Et là maintenant, l'upper maintenant qui va donner une grande ouverture une fois, encore une fois à Léon et qui va déjà mettre 52% sur cette dernière stock de Fire. Oh, dommage, c'était un bon mix-up. Mmh. J'avais jamais vu quelqu'un go pour ça avec Pokémon Trainer. Ça avait ri encore une fois, mais. Pas assez réactif, timing. Ouais. Upper ? Non, ok. Ah, l'air bizarre de Fire qui marche quand même plutôt bien en ce moment. Là, sur cette dernière stock. Il va tenter le down air, ouais. Beaucoup trop tôt. Parce que là, il faut quand même se dire que les 63% qui sont sur Fire ont été pris au début de la stock de Léon. Ouais.
Il a juste fait une belle séquence, mais maintenant voilà. Voilà, écoute, là ça va être. Oh le bon gros F smash. Ouais, c'est ça, un B beaucoup trop early, mais. Il s'attendait à un edgeguard justement. Il a peut-être voulu être plus proche du ledge et biffy up B pour contrer ce genre d'action, par exemple. Je pense qu'il s'attendait juste à ce que Léon go in avec un fer et. Ouais. Léon a simplement bien respecté cette option et a puni correctement. C'est vrai que c'était propre, c'était une belle action. C'est le seul qui a fait de la game, ce Death Smash au ledge. Ok. Bah, du coup, c'est la pause. Ouais, c'est la pause. C'est là que s'arrête le tournoi pour l'instant. Et on se retrouvera tout à l'heure. Je suppose. Ouais. Oui, c'est ça. On se retrouve tout à l'heure, bah, du coup, à 14h pour ceux de le chat. Et puis, il y aura du freeplay sur le stream, c'est ça, en attendant? Ouais, en attendant, vous aurez du freeplay, mais bon, profitez-en pour aller vous faire manger, commander un kebab. Moi aussi, je vais aller manger un bon gros kebab. Allez, salut. Salut.